Bon matin, nous sommes le 19 mai. Si vous êtes intéressé par la culture, cela ne vous a pas échappé. Le 19 mai, c'est le jour de la réouverture des cafés, des bars et des lieux de culture type exposition et visionnage. J'ai déjà réservé ma séance de 16h15 pour Garçon Chiffon de Nicolas Maury, que je voulais voir, que je comptais voir juste avant que nous soyons confinés en octobre. Petit life update. Les 10 jours précédents, j'étais en stage à Bruxelles pour la Foire du Livre de Bruxelles. Je le dis maintenant, je pense que je retournerai pas nécessairement, sauf exception, sur les lieux. C'était vraiment chouette. On a fait ça à la Bibliothèque Royale. C'était un lieu somptueux et travailler là-bas, c'était incroyable, notamment parce qu'on avait vu sur les jardins. Par contre, j'ai réellement pas eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire. C'est-à-dire et mon mémoire et une bibliographie et monter des vidéos. Donc j'avais déjà tourné plusieurs vidéos précédemment. Je suis en train de commencer à monter le bilan culture du mois d'avril. Pour l'instant, je suis à 51 minutes à monter encore sur une heure. Donc voilà, et pour l'instant, ça fait déjà un peu plus de 10 minutes. Ça va être marrant. Pour vous à regarder, ça va être une vidéo longue, je crois que c'est ce qui vous plaît, donc tant mieux. Programme de ma journée, je vais travailler un petit peu, du coup sortir, faire 2-3 courses. Faut que je dépose un film à la bibliothèque parce que je l'ai regardé hier soir, c'est Nous ne vieillirons pas ensemble de Maurice Pialla, avec notamment Marlène Jobert, jeune. Du coup, ça fait bizarre de la voir comme ça. Moi, je me rappelle qu'elle faisait des contes pour enfants que j'ai saigné parce que c'était différent de ce qu'il y avait en règle générale. Magnifique, au passage, cette femme. Je vais écrire un petit peu. J'ai commencé ce matin, mais je vais continuer le texte que j'ai commencé à écrire. J'ai une pellicule que j'ai terminée il y a 2-3 jours. Et vu que normalement, l'atelier a réouvert avec des normes sanitaires à peu près correctes, j'irai là-bas, je vais aller en terrasse si possible. Et vu que j'ai terminé mon bouquin hier, je vais sûrement commencer parce que Grâce m'a incité à lire Novecento Pianiste. J'avais lu Soi de Baricco, que je n'avais pas du tout aimé, que j'avais trouvé chiante, comme L'Alchimiste. Ce sont des livres qui m'énervent un peu. Je comprends pas tout l'attrait qu'on leur trouve. Je trouve que c'est très développement personnel pour pas grand chose. Sur ce, je vais vous laisser ici. J'allais oublier de vous dire aussi que dans mon programme, il y avait évidemment recherche de logement, mail, mémoire. Je vous retrouve pour un deuxième café. Oui, je suis encore chez moi. Entre-temps, j'ai bougé, mais j'avoue que ce fut un échec cuisant. Il a commencé à pleuvoir comme jamais. Il y a eu une éclaircie. Je suis rentrée chez moi. Et là, il refait à nouveau beau, donc je vais en profiter. Je vais aller dans le vieux Lille, tenter désespérément de trouver une terrasse. Je vous emmène avec moi. D'autant plus que je suis passée devant Oxfam. Ce n'est clairement pas bon pour mon porte-monnaie. Mais je vais essayer de garder l'argent, parce que vendredi, je vais à Paris. Et je reste jusqu'au lundi.
et je veux y aller depuis octobre. Ça ne peut que me rendre joyeuse et j'ai envie de partager ça. J'avais un train qui était à 10h50 et c'était pas la bonne gare. Du coup, je l'ai raté, mais j'ai pu l'échanger au dernier moment. Toutes les visites d'appartement s'annulaient. J'en ai 3 qui ont été ok dans la journée et je retrouve Dorin. Je sais pas quoi vous dire, mis à part que la chambre est vraiment trop belle. J'ai quitté Lille et il faisait un temps immonde. Et j'arrive à Paris et il fait hyper beau. Donc c'est génial. Je vous retrouve au même endroit où je vous ai quitté en face cam hier. Il va être 11h. Je vais me diriger vers Emmaüs Alternatif qui se situe à Temple. Je vais déjà aller à celui qui est vers Goncourt. Je pense que je vais remonter vers Réaumur-Sébastopol. Je dois retrouver une copine. Je pense qu'on va essayer de se retrouver et peut-être de prendre quelque chose à manger ou un café dans ce coin-là. J'ai fait 2 visites hier. La première, c'était clairement un taudis. La seconde, il est bien, mais l'annonce a l'air de plus être en ligne. Aujourd'hui, peut-être qu'on va aller à la Villette avec Dorin. Ou au centre Pompidou, mais rien n'est moins sûr. Il fait beau, même si ça a été couvert. J'ai juste envie de profiter. En fait, c'est drôle parce que je reviens ici et tout a l'air de s'apaiser d'un coup. Et ça fait plaisir parce que c'est pas du tout comme ça que j'ai quitté la ville il y a quelques années. J'ai hâte de voir ce qu'il y a à faire. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog. On est le 1er juin actuellement. Les beaux jours sont revenus. Je filme ça genre 10 jours après être rentrée de Paris. J'ai oublié ma caméra à Lille alors que je suis rentrée chez mes parents. Je préférais attendre pour vous filmer ça avec une meilleure qualité plutôt qu'avec mon téléphone. Ça m'a fait hyper plaisir d'aller là-bas. Ça m'a fait tellement bien de retrouver cette ville que j'ai pas quitté sous les meilleurs auspices. Et je crois que je suis prête à y retourner avec tout le plaisir que j'ai pu voir et redécouvrir pendant ce week-end-ci. J'ai pas encore eu le temps d'aller en musée. J'espère le faire bientôt. Vu que vous aimez bien savoir ce que je lis, je pense que je vais vous parler de ce que je suis en train de lire actuellement parce que c'est un réel coup de cœur. Ça m'avait pas fait ça depuis des années. Things I Don't Want to Know.
de Deborah Levy. Il y a celui-ci et il y a le second qui est The Cost of Living, donc le coût de la vie. Il y a une écriture autobiographique, l'intériorité de cette femme qui raconte ses pensées, son enfance, les discriminations dont elle a été victime, qu'elle a vues au sein de la société, et c'est une plongée totale dans ses pensées, c'est incroyable. Je suis absolument transportée. Je l'ai pas terminé et je ne veux pas le terminer. En fait, je prends mon temps exprès parce que je veux pas quitter ce livre. Ça entre tellement en corrélation avec tout ce qui me plaît dans la littérature. J'hésitais à l'acheter en français il y a quelques mois, en fait, quand il est sorti, parce que j'ai vu les couvertures, j'étais tellement heureuse. Et je l'ai vu à la librairie et je savais pas trop quoi acheter. J'avais envie de me faire plaisir. Il y avait énormément de livres dans mes bibliothèques et il n'y avait rien qui me disait sur l'instant. Par un détour au Furet du Nord, j'ai acheté le second tome par erreur et j'ai commencé à lire, je m'en suis rendu compte quand je suis retournée en librairie le lendemain parce que je voulais acheter la suite. Je ne l'ai pas terminé et pourtant c'est déjà une œuvre qui, à mon avis, va me marquer. Je parle peut-être trop vite, mais on verra bien. Je m'égare beaucoup ici et j'ai beaucoup de choses à faire vu que je suis rentrée hier. J'espère que ce vlog vous aura plu, tout comme ça m'a fait extrêmement plaisir que de le tourner. Je vous dis à très vite, je vous laisse commenter, aimer et venir me parler sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Tout sera en barre d'infos. Je vous fais des bisous. Ciao.